Alors, Tesla Chine publie ses chiffres nationaux d'exportation pour janvier 2024. Les chiffres de vente en gros de Tesla Chine s'élevaient à 71 447 véhicules, dont des voitures vendues sur le marché intérieur et exportées à l'étranger. Sur ces voitures vendues au total, Tesla Chine, par Tesla Chine le mois dernier, 31 556 unités ont été exportées à l'étranger, selon les données récentes de la CPCA. Ça représente une baisse de 19,5% par rapport aux 39 208 unités exportées depuis Giga Shanghai en janvier 2023, mais une hausse de 72,2% par rapport au mois précédent, décembre 2023. Tesla Chine a vendu 39 891 véhicules sur le marché intérieur chinois en 2024, en janvier. Il s'agit d'un résultat assez intéressant, car il représente une amélioration de 48,6% d'une année sur l'autre par rapport aux 26 843 unités vendues en janvier 2023 en Chine. Très bien, bah, vous avez tous les chiffres là, hein, tout simplement. Voilà. Les ventes intérieures de Tesla en Chine en janvier 2024 sont plutôt encourageantes, d'autant plus que le constructeur de véhicules électriques a tendance à donner la priorité aux exportations plus tôt dans les premières semaines d'un trimestre. Les fortes livraisons locales de l'entreprise en janvier suggèrent que la demande pour la berline modèle 3 et le modèle Y, fabriquée à Shanghai, est assez importante parmi les consommateurs locaux. La CPCA a également fourni la répartition des ventes de Tesla en Chine le mois dernier. Sur les 71 447 véhicules vendus au pays et exportés à l'étranger, 41 873 étaient des modèles Y, 29 574 modèle 3. Ça suggère que jusqu'au mois dernier, les ventes de Giga Shanghai étaient encore fortement orientées vers le modèle Y. Ouais, ça étonne qui en même temps? Moi, ça m'étonne pas, hein. Les ventes intérieures chinoises de véhicules à passagers à énergie nouvelle, qui comprennent à la fois des voitures électriques à batterie et des véhicules hybrides rechargeables, s'élevaient à environ 668 000 unités en janvier 2024. Ça signifie que Tesla Chine détenait une part de 5,97% du marché national des NEV. À titre de comparaison, Tesla Chine détenait une part de 8,02 du marché national des NEV en décembre 2023. La part de Tesla Chine dans le segment BEV du pays était cependant plus notable en janvier 2024. La Chine a enregistré environ 376 000 ventes de véhicules électriques à batterie dans le mois dernier. Ça signifie que Tesla Chine représentait plus de 10,6% du segment global des BEV du pays en janvier 2024. À titre de comparaison, la part de Tesla Chine sur le marché des BEV était de 12,68% en décembre 2023. Eh oui, ça fait encore beaucoup de chiffres à digérer, ma foi, mais bon, c'est intéressant. Voilà pour les chiffres du mois de janvier pour Tesla en Chine. Bon, c'est plutôt positif, hein, ça va. Il n'y a pas péril dans la demeure. Allez, ciao.